Alors, tu peux prendre de la pâte à sel ou comme moi, là, j'ai pris de l'argile, mais bon, si tu n'as pas de l'argile à la maison, je mettrai en lien la vidéo pour faire de la pâte à sel. Après, le but, c'est de prendre des petits bouts comme ça. Hop, on fait comme ça. Et puis après, avec ces petites boules, on les aplatit avec le pouce, comme ça. Après, au fur et à mesure, tu vas en aplatir d'autres. Et puis, tu vas commencer à les coller les unes comme ça contre les autres et à tourner. Donc, on continue. Je continue. Hop. On va les coller au fur et à mesure. On aplatit. Hop. Je continue à coller. Et tu vois la forme? Hop. Tu vois, alors tu peux faire coller un peu plus en dessous, comme ça donne vraiment la forme de la rose qu'on veut. Et ainsi de suite. Après, pour faire les feuilles, ce que tu fais, c'est que tu prends une boule un tout petit peu plus grosse. Et au lieu de faire une boule, tu l'allonges un tout petit peu, comme ça. Et ce que tu peux faire, c'est donc lui donner un petit air pointu, là, comme ça. Et avec un crayon, ou comme moi ici, hop, tu donnes, toc, toc. Pour que ça donne l'impression que c'est une feuille. Voilà.